again, the last and the greatest of all dispensations has burst like a dawn for the children of men. The dream thank you.
His mighty arm is made.
bring her ransomed children home.
Hark, all ye nations, hear heaven's voice through every land, that all may rejoice. Angels of glory, shout the refrain, truth is restored again. Searching in darkness, nations have wept, watching for dawn, their vigil they've kept. All now rejoice, the long night is o'er, truth is on earth once more. Oh, how glorious, from the throne above shines the gospel light of truth and love. Bright as the sun, this heavenly rain lights every land today.
sins and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven, Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given, henceforth and forever. Amen and amen. Standing.
radiant beamed the sun above. Bees were humming, sweet birds singing, music ringing through the grove. When within the shady woodland, Joseph sought the God of love. When within the shady woodland, Joseph sought the God of love. Kneeling, sweet appealing, 'twas the boy's first uttered prayer. When the powers of sin the Father and the Son, while appeared to heavenly beings, God the Father and the Son. Joseph, this is my beloved. Hear him. Oh, how sweet. Joseph's humble prayer was answered, and he listened to the Lord. Oh, what rapture filled his bosom, for he saw the living God. Oh, what rapture filled his bosom, bonjour tout le monde. Je suis Sœur Gonzalez. Merci de nous joindre à nous pour ce dévotionnel de cette veillée mondiale. Nous sommes accompagnés de Frère Gong et de son épouse. Frère Gong va présider ce soir.
En raison de la pandémie, nous continuons de suivre les directives données par les dirigeants locaux. Nous respectons les règles de distanciation physique, portons un masque et restons chez nous autant que possible. Une partie de la musique de cette émission provient d'enregistrements d'émissions précédentes avec différents chefs d'orchestre et accompagnateurs. Et nous les remercions pour leur talent et leur service. Notre cantique d'ouverture intitulé J'ai besoin de toi. La prière d'ouverture sera offerte par Clarissa Taylor. Notre cher Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour cette journée de sabbat. Et nous te prions que nous puissions ressentir l'Esprit et que tout le monde, à travers le monde, nous puissions ressentir la puissance de cette œuvre. Et nous sommes reconnaissants pour Frère et Sœur Gong. Nous te prions de les bénir. Qu'ils puissent être remplis de ton esprit, qu'ils puissent savoir quoi nous dire, les mots, les paroles que nous avons besoin d'entendre. Père, nous te prions que nous puissions nous souvenir de toi et que nous puissions appliquer les choses que nous apprenons à travers pendant la semaine et dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. This evening, a virtual choir will share. Un chœur virtuel va s'adresser à nous. Ça représente la culture de plusieurs pays. Après l'intermède musical, Sœur Gong va s'adresser à nous et elle sera suivie par Frère Gong. Frère Gong vient de Californie. Il est le fils de Walter et Jane Gong. Frère et Sœur Gong se sont rencontrés à OMTC.
Ils ont beaucoup voyagé. Fergong a dit qu'il a obtenu un doctorat en relations internationales. Cette semaine, les gongs célèbrent leur 31e anniversaire de mariage. Sœur Gong ont vécu en Angleterre, à Washington DC, en Asie, en Provo et à Salt Lake City. Frère Gong est un mari, père, missionnaire, enseignant, grand-père, et maintenant il sert à plein temps dans l'Église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours. Sœur Gong est une fille, missionnaire, épouse, étudiante, diplômée de l'université. Elle est bénévole dans l'Église. Ils ont toujours mis en premier la famille et l'Église dans leur vie. Et à la fin de leur discours, nous chanterons et la prière de clôture nous sera ouverte par Frère Brandon Bowman de Utah. Nous allons maintenant entendre l'intermède musical. Merci pour cette musique magnifique. Ça me donne envie de vous voir face à face. Quelle joie d'être avec vous. Nous sommes rassemblés de façon virtuelle à travers tous les continents et les îles de la mer, unis par l'amour que nous portons à notre Sauveur Jésus-Christ et par notre engagement commun à construire son royaume. Vous me donnez espoir en un monde meilleur. Et il existe bien sûr des millions d'autres personnes qui partagent notre engagement et qui ont beaucoup à nous apprendre. Desmond Tutu dit que l'espoir, c'est être capable de voir la lumière malgré l'obscurité. Notre plus grand espoir est Jésus-Christ, notre Sauveur. En lui, nous trouvons la joie et la paix. Il connaît la fin depuis le commencement. Il nous fait cette promesse. Cherchez diligemment, priez toujours. Et croyez, et tout concourra à votre bien si vous marchez en droiture. Mais nous ne voyons pas la fin dès le commencement. Nous connaissons seulement en partie. Parfois, notre vie prend une tournure différente de ce que nous avions espéré. Mais nous pouvons toujours marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite, car nous savons que notre Père céleste aimant a un plan pour nous. Avec le confinement engendré par la pandémie de COVID-19, j'ai pu développer un nouveau talent, la courte pointe. Cela consiste à assembler des morceaux de tissu pour fabriquer une couverture. Au début, cette technique est assez déroutante. On doit coudre des morceaux de tissu sur l'envers
et dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils apparaissent une fois le motif terminé. C'est difficile de visualiser comment ces morceaux colorés vont pouvoir former un motif harmonieux. Mais peu à peu, à force de couper, coudre et presser, on voit émerger un motif magnifique. Nous avons parfois l'impression que le plan que Dieu a pour nous n'est pas encore très clair. Il ne faut pas pour autant attendre que notre vie commence. Ces années sont trop précieuses. C'est un temps pour développer nos talents. Le président Nelson nous enseigne « L'instruction fait la différence entre vouloir être capable d'aider des gens et pouvoir les aider. Les choses bonnes et utiles que vous apprendrez façonneront votre vie et vous béniront. C'est un temps pour rechercher des modèles pleins de sagesse et de justice, parents ou grands-parents, instructeurs, amis, dirigeants de l'Église et surtout Jésus-Christ, qui peuvent nous aider à nous construire une vie riche de sens. Il nous faut créer des liens véritables avec des personnes qui peuvent nous aider à grandir. C'est un temps pour s'engager avec zèle dans de bonnes causes. Les cieux ne vont pas attendre que la pandémie s'arrête ou que je perde 5 kilos ou que vous épousiez la personne de vos rêves ou que nous devenions de vrais disciples en respectant ses commandements, surtout celui d'aimer le Seigneur et notre prochain. Si nous voulons donner plus d'espoir et de sens dans notre vie, nous devons commencer chaque journée par une prière de gratitude et demander sincèrement, « Père Céleste, aide-moi à être un instrument entre tes mains aujourd'hui. Ouvre mon cœur. Accorde-moi la sagesse, l'imagination, la force et le courage de faire ce que je peux. Puis, rechercher des occasions d'être un ami plus sincère, une sœur plus gentille, un meilleur fils, un voisin plus généreux, un berger plus inspiré, un parent plus patient. » Léon Tolstoï a écrit « Bien qu'il semble aux hommes qu'ils vivent en prenant soin d'eux-mêmes, en vérité, c'est l'amour seul par lequel ils vivent. Celui qui a l'amour est en Dieu, et Dieu est en lui, car Dieu est amour. » Les écluses des cieux n'attendent pas que nous soyons parfaits ou que nous passions de l'autre côté du voile pour s'ouvrir. Si nous accomplissons les œuvres de la justice, nous recevrons notre récompense, c'est-à-dire la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. L'amour du Christ est sûr. L'apôtre Paul enseigne « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Que par votre confiance en lui, le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'Évangile de Jésus-Christ est vrai, il est puissant, il est beau et il est important. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci, chérie. Mes chers frères et sœurs, voici de très beaux vœux pour la nouvelle année, chantés en espagnol. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Thank you, Abish. Merci, Abish. Sœur Gong et moi-même étions à la fois surpris et inquiets lorsque nous avons été testés positifs à la COVID-19. Nous vous remercions pour vos messages et vos prières pour notre guérison. Bien qu'en période d'isolement, nous ne nous sentions pas isolés. Désormais,
Sœur Gong et moi-même prions plus que jamais pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie. Il y a environ 47 milliards d'adultes âgés de 18 à 30 ans dans le monde. Dans l'Église, 2,3 millions d'adultes âgés de 18 à 30 ans vivent sur 6 continents, répartis dans près de 180 pays et territoires. Vous lisez le Livre de Mormon dans plus de 114 langues. Sœur Gong et moi-même aimons vous rencontrer à Rexburg, en Idaho, à Manaus, au Brésil, à Bogota, en Colombie, à travers le monde, sur tous les continents, en toutes les circonstances, en toutes circonstances. Saviez-vous qu'il y a désormais un pieu au pôle Nord, en Alaska? Nous sommes réunis aujourd'hui par le biais de la technologie. Je prie que le Saint-Esprit nous unisse dans la foi pour qu'il touche vos cœurs et vous ouvre la voie en ces temps difficiles. Chers frères et sœurs, Dieu vit. S'il vous plaît, venez prendre part à son amour et au pouvoir qu'il a de nous faire progresser et changer. Laissez-le vous entourer dans la sécurité de ses bras, avec son assurance que vous êtes à la hauteur. Vous avez une immense capacité divine que vous pouvez faire grandir chaque jour. Aujourd'hui, je vous fais part de 3 invitations qui m'ont motivé à, premièrement, approfondir ma relation avec Dieu, et deuxièmement, changer l'avenir dès maintenant, et troisièmement, devenir une meilleure personne. Je prie que ces 3 invitations prises ensemble vous amène à fortifier votre foi et à vous rapprocher de Dieu et de ceux qui vous entourent en trouvant une joie durable sur le chemin des alliances. La première invitation est donnée par notre Père Céleste avec un amour profondément universel lorsqu'il déclare « Soyez calme et sachez que je suis Dieu ». J'ai grandi dans une ville, mais j'aime faire de la randonnée en montagne. Libre d'explorer mes amis et moi, marchions toute la journée et puis campions près de lacs sauvages sous l'étendue des cieux bercés par le chant nocturne du vent. Dernièrement, Sœur Gong et moi-même, nous sommes rendus dans un endroit si sombre et si beau que nous pouvions y observer la Voie lactée. C'était presque aussi brillant que sur cette photo. La Voie lactée est mythique, merveilleuse et mystérieuse. En chinois, Voie lactée se dit Tianhe, c'est-à-dire rivière des cieux. En biélorusse, en estonien et en finnois, c'est la voie des oiseaux. Pour d'autres, c'est la route jusqu'à Santiago. En cherokee, c'est là où le chien a couru. En hébreu, la rivière de lumière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu vit que cela était bon. Dieu est sage, puissant et bon. Le dessein, l'élégance et l'harmonie de ses créations témoignent de son amour infini et de son plan de bonheur pour chacun de nous. Alma témoigne, tout montre qu'il y a un Dieu. Oui, la terre et tout ce qui se trouve sur sa surface, oui, et son mouvement, oui, et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier témoignent qu'il y a un Créateur suprême. Cela demande un effort conscient de ralentir et d'être calme. Cela nécessite de l'ouverture spirituelle et de l'humilité de savoir que Dieu est Dieu. Parfois, ralentir avec les choses qui sont moins importantes nous aide à découvrir ce qui compte vraiment. Discerner la main de Dieu dans les créations qui sont faites pour réjouir le cœur est un moyen important de savoir qu'il est Dieu. Nous chantons pour la terre et sa beauté, pour les cieux et leur beauté, pour l'amour qui m'a comblé dès le jour où je suis né. Nos louanges par ce chant vont à toi, Dieu Tout-Puissant.
Une autre façon de savoir qu'il est Dieu est de remarquer la bonté et le sens des relations divines, témoignées par la tendresse, d'heureux hasards, la réconciliation, le pardon et le sacrifice. Le président Nelson a récemment fait remarquer que l'art, la littérature et la musique peuvent nourrir notre âme, tout comme les sciences, lorsqu'elles sont comprises avec l'œil de la foi. Voici deux images célèbres d'un ciel nocturne. Du côté de la science, une image du champ profond de Hubble nous rappelle que, tout comme les grands prophètes Moïse et Abraham l'ont vu, les créations de Dieu comprennent des galaxies sans nombre, même dans des endroits où le ciel nocturne semble vide. Du côté de l'art, Vincent van Gogh a immortalisé la nuit étoilée, une huile sur toile, juste avant le lever du soleil. La reconstitution astronomique du ciel de juin 1889 indique que la planète Vénus correspond à l'étoile du matin représentée par Van Gogh. Le grand art inspire de nouvelles manières d'observer la bonté de Dieu. La bonté de Dieu peut enrichir notre âme. Le monde bruyant, encombré et pollué d'aujourd'hui peut nous sembler nous empêcher d'être calmes et de savoir qu'il est Dieu. Nous ne remarquons pas à quel point la hotte de la cuisine est bruyante jusqu'au moment où nous l'éteignons. La superficialité, les mirages et les labyrinthes profanes détournent notre attention et sèment la confusion. Le syndrome FOMO, qui est la peur de rater quelque chose, est dépassé et nous sommes pourtant toujours collés à nos écrans. Certains même pensent que faire plusieurs choses en même temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, accroît notre valeur et notre importance. Nous présentons la vie sous un certain angle afin qu'elle soit Insta-parfaite pour la prochaine publication Instagram, tout en sachant qu'être Insta-parfait n'est ni instantané ni parfait. On se soucie d'utiliser de nouveaux filtres tout aussi irréels qu'irréalistes et on fait glisser ou on appuie deux fois. Dans le documentaire « Derrière nos écrans de fumée », les experts de la technologie avertissent « Si vous ne payez pas pour un produit, vous êtes le produit ». Certains experts craignent maintenant que les réseaux sociaux aient nui aux sociétés et au bien-être personnel des réseaux de manière inattendue. Ils craignent que les algorithmes des réseaux sociaux, conçus pour optimiser les services en ligne, les échanges et les profits réalisés grâce aux publicités monétisées cultivent aussi la méfiance, la division et la dépression. Ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est que ces gourous de la technologie protègent leur famille de l'utilisation excessive des réseaux sociaux. Être calme et songeur ne signifie pas se sentir seul. Léonard de Vinci a dit que lorsqu'on est seul, on appartient à soi-même. Le fait de ralentir désencombre ma tête et mon cœur. Ensuite, la gratitude et sa vertu jumelle, l'humilité, peuvent ouvrir mes yeux et mes oreilles spirituelles aux preuves de la généreuse abondance du Seigneur qui nous entoure. Un commentateur de la langue hébraïque explique que le terme « être calme » peut signifier « lâcher prise ». Sachez que je suis Dieu peut signifier reconnaître son pouvoir salvateur dans notre vie. En d'autres termes, être calme et savoir qu'il est Dieu consiste à laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Le président Nelson a déclaré « Rien n'ouvre les cieux autant que la combinaison d'une pureté accrue, d'une obéissance rigoureuse, d'une quête sincère, d'un festin quotidien des paroles du Christ dans le Livre de Mormon et d'un temps régulier consacré à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple. Tel est le chemin des alliances qui mène à la joie durable. Lorsque nous ralentissons et que nous recherchons avec foi, notre vision des choses change. Lors d'un jour de préparation, alors qu'il était jeune missionnaire en Australie, Marion J. Romney, qui devint plus tard apôtre et membre de la première présidence, méditait à propos de Doctrine et Alliance 76. Il dit, « Quand il eut fini de lire, il fut surpris de voir qu'il faisait nuit. Il regarda le ciel, où la croix du sud et d'autres étoiles brillaient avec une splendeur inhabituelle.
Alors qu'il les contemplait avec émerveillement, il lui sembla être emporté par l'esprit au-delà des étoiles afin de voir les choses qu'il avait lues. Et d'une façon miraculeuse, il lui fut donné de savoir que ces choses n'étaient pas des fables, mais bien une réalité de la plus profonde importance. Dans sa biographie, on peut lire « C'est suite à cela qu'il eut une perspective éternelle ». La perspective éternelle est une ancre pour nous aujourd'hui. Comme cela a été prophétisé, tout sera en tumulte. Le Seigneur a dit qu'il parle par la voix des tremblements de terre, des tempêtes, de la peste et des vagues de la mer se soulevant au-delà de leurs limites. En ces temps-ci, certains appellent le bien mal et le mal bien. D'autres disent « Mangez, buvez et réjouissez-vous, car demain nous mourrons ». Mais la lumière spirituelle et la vérité chassent les ténèbres de parmi nous. Le Seigneur déclare « Silence, tais-toi. Tenez-vous avec la plus grande assurance pour voir le salut de Dieu et voir son bras se révéler. » S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, soyez calmes et sachez qu'il est Dieu. Voici maintenant notre deuxième invitation. Établissez des relations qui changeront l'avenir dès maintenant. Récemment, j'étais reconnaissant de pouvoir remercier quelqu'un qui a changé mon avenir alors que je ne l'avais encore jamais rencontré auparavant. Cette personne s'appelle Melba Oaks, qui n'a d'ailleurs aucun lien de parenté avec Daline Oaks. À l'âge de 21 ans, Melba venait de se marier et vivait à San Mateo, en Californie. Elle se lia d'amitié avec Jean, une nouvelle convertie âgée de 17 ans. Jean ou Jean était la seule membre de sa famille à s'être jointe à l'église et elle étudiait loin de chez elle. Certains membres de sa famille espéraient qu'elle oublierait l'église dans un nouvel endroit. Pourtant, par des choses petites et simples, Melba et d'autres étaient présents pour Jean. Lorsqu'elle obtint son diplôme de fin d'études secondaires, Melba était à ses côtés. Melba Oaks a toujours le faire-part de mariage de Jean. Elle est tombée amoureuse d'un homme appelé Walter et l'a épousé. En fait, ils se sont mariés trois fois, lors d'un mariage traditionnel chinois, lors d'une cérémonie américaine et lors d'un scellement pour le temps et l'éternité dans le Saint-Temple. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Walter, avec un fort témoignage du Christ, mais ne connaissait pas encore l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Jean, Jean et d'autres lui enseignèrent l'Évangile rétabli. Il devint un membre fidèle de l'Église ainsi qu'un patriarche de Pleu. Comme vous l'avez deviné, en épousant Walter Gong, Jean devint Jean Gong, ma chère mère. Aujourd'hui, ma mère a 94 ans. Melba Oaks en a 98. Cela fait 77 ans qu'ils entretiennent cette amitié dans l'Église. Récemment, j'ai appris que Sœur Oaks vivait à Saint-Georges, en Utah. Je lui ai téléphoné pour la remercier d'avoir changé mon avenir ainsi que celui de ma famille. En soutenant Jean Gong, alors qu'elle n'était encore qu'une fragile convertie, Melba Oaks a été une bénédiction pour quatre générations de la famille Gong de ce côté du voile et 34 autres générations connues de l'autre côté du voile remontant jusqu'à Dragon Gong, né en 34 après Jésus-Christ. Malheureusement, d'autres amis de ma mère ne sont plus membres de l'Église. L'une d'elles a quitté l'Église après que certains l'ont mise à l'écart à cause de ses origines ethniques. Une autre s'est éloignée alors qu'elle a ressenti qu'elle devait choisir entre ses amis membres et non-membres. Une troisième a laissé les pressions du monde semer le doute à propos des enseignements de l'Église. Évidemment, vous faites face à des épreuves encore plus intenses aujourd'hui. Je suis éternellement reconnaissant envers Melba Oaks et tous ceux qui soutinrent ma mère alors qu'elle venait de découvrir l'Évangile. Je rends également hommage à ma mère. Elle a été constante dans sa foi et vaillante dans son témoignage. Mon père et elle avaient décidé de pleinement s'investir dans la véritable Église de Dieu. Ils réussirent malgré les préjugés sociétaux et les attitudes racistes de certains membres de l'Église.
frères et sœurs. Il y a des jingang et des melba hawks tout autour de nous, dans nos appartements, nos lieux de travail, nos paroisses ou nos branches, dans nos cercles et nos associations. Personne ne veut être réduit à un simple projet. Nous cherchons tous les interactions sociales ainsi que des occasions de contribuer. Nous avons tous besoin d'un endroit sûr pour poser des questions et rechercher des réponses, à un lieu sûr pour apprendre et vivre la doctrine de l'Évangile ainsi que la culture de l'Église. Nous voulons tous être considérés comme des adultes et pouvoir être responsables et en mesure de contribuer en tant que tels. Nous voulons que l'Église soit un lieu où nous ne jugeons pas les uns les autres et où nous pouvons nous repentir si quelqu'un ressent que nous sommes blessants dans nos jugements. L'intendante du temple de Guadalajara au Mexique a dit que le Saint-Temple l'inspire à juger moins et aimer plus. Elle a raison. S'il vous plaît, venez comme vous êtes. Nous avons besoin de vous. En devenant plus compatissants et plus ouverts et en invitant les autres à faire de même, la communauté de l'Évangile devient plus ouverte, plus vulnérable et plus accueillante. D'une certaine manière, nous devenons tous alors de nouveaux convertis, des membres qui reviennent à l'Église, de nouveaux arrivants et cherchons notre chemin. Dans des sociétés divisées, les disciples de Jésus-Christ peuvent faire preuve d'une divinité et d'une humanité commune, plus grande encore que leurs différences. Lorsque les temps s'assombrissent et peuvent parfois rendre claustrophobes, les croyants rayonnent de sa lumière et de sa vérité libératrice. Lorsqu'il y a la famine spirituelle dans le pays, nous le célébrons comme étant l'eau vive et le pain de vie. Dans un monde assoiffé, à la recherche d'un sourire ou d'un mot de salutation, nous pouvons redéfinir notre zone de confort. Asseyez-vous à côté d'une personne seule. Impliquez, complimentez et encouragez en personne et en ligne. Accordez le bénéfice du doute. Écoutez, allez et soyez présent. Prenez soin de quelqu'un avec une pensée ou une écriture opportune. Remarquez une larme ou un sourire. Priez sans cesse. Aujourd'hui, vous m'aidez. Demain, je vous aide. Nous sommes là les uns pour les autres. C'est ce que font des amis dans l'Évangile et les membres d'une famille. Je sais que beaucoup d'entre vous sont les seuls membres de l'Église ou les seuls membres pratiquants dans leur famille. Vous êtes vaillants et fidèles, mais c'est souvent difficile. S'il vous plaît, tenez-vous fermement à la barre de fer, ou comme un jeune adulte de Mano au Brésil le dirait, palpez le fer. Décidez d'être constant et immuable et d'être un maillon fort de votre génération. Cela en vaudra la peine. Le fait d'être la première ou la sixième génération dans l'Église est moins important que le fait d'être vaillant dans notre témoignage de Jésus-Christ. S'il vous plaît, plantez, nourrissez et protégez cette précieuse semence de foi, qu'elle s'enracine fortement et qu'elle fleurisse en vous et au sein de votre famille éternelle. Soyez une Melba Hawks ou une Jingang et établissez aujourd'hui des relations qui changeront l'avenir d'ici un an, 5 ans ou même 77 ans. Cela nous amène à notre troisième invitation, devenir une meilleure personne en travaillant avec le Seigneur de la moisson et à ses côtés. En apprenant à travailler avec foi et diligence et grâce à la loi de la moisson, le Seigneur de la moisson peut vous bénir avec la joie qui provient du fruit de vos labeurs. En travaillant dur et intelligemment, des portes s'ouvrent à nous. Ce que certains qualifient de chance, nous le reconnaissons comme étant une bénédiction. Nous savons que l'humble prière associée à la persévérance honnête provoque des miracles en son temps et à sa manière. Dans le Nouveau Testament, le livre de Galates décrit la loi de la moisson comme ceci : ce que quiconque aura semé, il le moissonnera aussi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. En d'autres termes, nous récoltons ce que nous semons.
Le bien est ramené à ce qui est bien, tout comme la droiture, la justice et la miséricorde. London et Luke Brockbank, d'anciens missionnaires fidèles récemment scellés au temple, ont déclaré avoir appris la loi de la moisson auprès de leur famille, au jardin, en grandissant. Nous nous levions avant les abeilles et la chaleur et nous essayions d'enlever autant de mauvaises herbes et de planter autant de plantes que nous le pouvions. Nous essayions de les faire pousser avec de l'engrais et du paillis et de veiller à ce que tout puisse pousser en sa saison. Tout le monde aime cueillir des fruits et en manger quelques-uns au cours de la cueillette. Mais je dirais que le plus difficile, c'est d'enlever les mauvaises herbes, puisqu'on est à quatre pattes et que ça commence à faire mal après un certain temps. Et puis nos mains sont sales, nos pouces et le bout de nos doigts sont tachés de vert à force de tirer. C'est pour ça qu'on dit avoir la main verte. Oui, on pourrait croire que c'est parce que les plantes poussent bien, mais en réalité, c'est parce qu'on arrache les mauvaises herbes. Nous parlons de comment... Nous faisons les choses de base pour s'occuper d'un jardin. Il faut mettre des engrais. On ne peut pas juste aller au jardin une fois par semaine et s'attendre à ce que ce soit tout bien. J'ai demandé à London et Luke de parler de notre sauveur comme étant le vrai cep qui nous nourrit spirituellement. Quand on prend soin des plantes au verger, on doit les fertiliser afin qu'elles obtiennent les nutriments nécessaires pour continuer de pousser. C'est la même chose avec notre témoignage. On ne peut pas se reposer sur une seule expérience spirituelle. Nous avons besoin de ce renouvellement constant d'expériences. C'est merveilleux de se souvenir de nos expériences spirituelles et d'y réfléchir, mais il nous en faut constamment plus. La seule chose que nous pouvons avoir, en quoi nous pouvons avoir confiance à 100%, c'est le Sauveur. Et de cette façon, c'est vraiment, nous pouvons vraiment nous compter sur lui. Et si nous en faisons notre mieux, mettre notre volonté en la sienne, alors le Sauveur pourra nous aider à traverser ces choses. J'aime le Sauveur et j'ai un très fort témoignage de lui et de ce qu'il a fait pour nous. Il est comme mon meilleur ami. Il ne me quittera jamais. Parce que je suis sûre que nous avons tous de bons amis qui ont fini par nous quitter de manière inattendue ou pas. Dans les deux cas, ce n'est pas une expérience très amusante, mais c'est merveilleux de savoir que le Sauveur ne nous quittera jamais, qu'il sera toujours à nos côtés et qu'il est là pour nous réconforter et nous aider quand nous en avons besoin. Merci, London et Luke. London, Luke et moi-même avons parlé de la justice et de la miséricorde dans le contexte de la loi de la moisson. Nous récoltons ce que nous semons. Mais Dieu ajoute également sa miséricorde à nos efforts. L'apôtre Paul a dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Lorsque Dieu fait croître, il ouvre les écluses des cieux et déverse des bénédictions, au point qu'il n'y aura pas assez de place pour les recevoir. Avec les yeux spirituels, nous remarquons que les tendres miséricordes du Seigneur excèdent souvent généreusement ce que nos seuls efforts pourraient mériter. Pourtant, la vie parfois peut paraître injuste avec des moments de difficulté, d'obscurité et de solitude. Avec un désir juste et un effort obéissant, nous pouvons avoir l'impression d'avoir fait tout ce qui nous était demandé. Et pourtant, les choses ne sont pas déroulées comme prévu. C'est difficile. Nous pouvons nous sentir abattus, mécontents, ou même amer. Dans ces moments-là, souvenez-vous que, d'une manière qui dépasse notre entendement, le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Il nous comprend parce qu'il est passé par là. Le Sauveur a déclaré, «
Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Il promet ceci, toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Nous espérons en l'Éternel avec impatience et parfois une certaine inquiétude. Mais ses promesses sont sûres. Et je cite, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Si grands soient nos maux, il peut les guérir. En son temps et à sa manière, Dieu réparera les injustices, les peines et les déceptions. Pour celui qui est humble et disposé, son évangile est un évangile de la deuxième et troisième chance, jusqu'à 70 fois cette fois. Ceux qui respectent les commandements de Dieu sont et seront bénis en tout. À notre époque, environnés par d'immenses souffrances et des besoins humanitaires, nous trouvons une cause saisissante et un but divin en servant à la manière du Christ. Pour nous, l'amour pour Dieu et pour notre prochain implique des possibilités ainsi que des responsabilités qui découlent des alliances que nous avons contractées. D'après une enquête récente de l'Église, des jeunes adultes identifient et répondent aux besoins humanitaires urgents présents en Europe, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, aux Caraïbes, en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord et dans le Pacifique, presque partout dans le monde. Avec vos amis, vous avez cousu des masques. Vous avez apporté votre aide à des centres de refuge pour femmes. Vous avez apporté votre aide avec le nettoyage et les mesures de secours suite à des catastrophes naturelles. Vous avez fourni de la nourriture à des enfants, mis en place des communautés locales, avez livré de la nourriture à des banques alimentaires. Ce ne sont que quelques exemples. Pendant cette pandémie de COVID-19, nos membres, nos amis et nos églises conduisent notre plus grande action humanitaire jamais menée avec 964 projets d'action dans 151 pays. Les personnes dans le besoin ont reçu plus de 28,4 millions d'équipements de protection individuelle, ou EPI, 3,5 millions de produits alimentaires, 1,8 million de trousses d'hygiène et 1,07 million de fournitures et d'équipements médicaux. Jusqu'à présent, de la ferme à la fourchette, c'est plus de 700 cargaisons de nourriture et d'autres produits essentiels qui ont parcouru près de 2,6 millions de kilomètres depuis notre magasin des évêques de l'Église pour desservir 380 banques alimentaires, foyers pour sans-abri et associations caritatives. Un véhicule articulé classique transporte 3264 boîtes de conserve de bœuf ou de dinde, soit 7488 boîtes de conserve de maïs, haricots ou tomates, 6528 boîtes de conserve de ragoût, de soupe ou de chili con carne et 792 pots du fameux, et c'est ce que je préfère d'ailleurs, notre fameux beurre de cacahuète produit par l'Église. Plein de nutriments, d'énergie et de bonne volonté. Nos camions transportent aussi des fruits, des légumes et des desserts produits ou transformés au sein des établissements de l'Église qui comportent 19 fermes, 3 vergers, 4 conserveries, une ferme laitière et 3 exploitations d'élevage. Vous vivez peut-être dans une collectivité où l'Église est associée aux groupes locaux afin de fournir de la nourriture et d'autres produits essentiels. Soulager la faim et assurer une sécurité alimentaire mondiale nous concerne. Les Nations Unies prédisent que les conséquences de la pandémie de COVID-19 pourraient précipiter encore 130 millions de personnes dans une situation de faim chronique. Bien que ce ne soit encore qu'un début, notre contribution humanitaire continue. Elles sont continues et nécessaires et bienvenues dans des régions vulnérables comme la Somalie, le Yémen,
la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, Haïti et le Zimbabwe, ainsi que dans des régions en conflit. Les enfants affamés ont besoin de nourriture avec une organisation humanitaire partenaire. Nous livrons 30 millions de repas à des écoliers dans 9 pays en voie de développement. Chaque plat comporte 482 calories essentielles provenant de céréales, de protéines, de légumes et de fruits. Comme nous venons de le voir, l'Église effectue des dons humanitaires mondiaux et fournit également un soutien généreux en Afrique et dans d'autres régions où vivent de nombreux membres de l'Église. Les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays constituent un grand défi humanitaire. L'Église est en première ligne pour faire face à plusieurs crises de réfugiés. Avec nos partenaires, nous fournissons de la nourriture, des produits d'hygiène, de l'eau et des installations sanitaires, des trousses d'abri d'urgence, des vêtements, des équipements de protection individuelle et un soutien scolaire en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Nous nous adaptons aux besoins locaux et nous y répondons. Nous respectons les coutumes et la culture locale. Par exemple, en 2004, 228 000 personnes ont été tuées ou portées disparues lorsqu'un tsunami dévastateur a frappé l'Indonésie. Les offrandes de jeunes de l'Église provenant du monde entier ont aidé à la reconstruction de mosquées, de maisons et d'écoles, ainsi que l'achat de machines à coudre pour la confection d'habits. Les dirigeants musulmans ont déclaré « Nous avons l'habitude de jeûner, alors les offrandes associées aux jeunes ont une signification particulière à nos yeux. Vos jeûnes et vos sacrifices reflètent votre foi et votre amour pour Dieu. » En tant que disciples de Jésus-Christ, l'alliance qui existe entre Dieu et nous-mêmes nous incite à être bons et à faire le bien. Comme vous le savez, l'Église fournit de l'aide humanitaire sans considération de race, de religion ou de nationalité. Nous n'utilisons pas nos efforts humanitaires pour faire du prosélytisme. Nous travaillons avec des partenaires de toutes les confessions, ainsi qu'avec ceux qui sont non-croyants. Nous répondons aux besoins immédiats ainsi qu'aux besoins à long terme. Nous sommes présents tant que le besoin est là, bien après le départ des caméras de télévision. Nous favorisons l'estime personnelle et l'autonomie. Nous recevons les bénédictions du ciel lorsque nous exprimons notre amour pour Dieu en faisant tout notre possible pour aider nos frères et sœurs, ses fils et ses filles, partout et par n'importe quel moyen. Frères et sœurs, soyez patients et compréhensif envers vous-même en apprenant, en progressant, en servant et en vous efforçant d'être vaillant dans votre témoignage de Jésus-Christ. Trop souvent, nous sommes bien trop durs avec nous-mêmes. Le Seigneur nous invite à venir à lui tel que nous sommes et à tout faire avec sagesse et ordre. Il n'attend pas de nous que nous courions plus vite que nous n'avons de force, même en nous efforçant d'être diligents et vaillants. Parfois, nous pouvons nous sentir moins utiles ou moins engagés si le Seigneur ne nous a pas demandé d'accomplir quelque chose de difficile. Et pourtant, ce dont le Seigneur a souvent besoin, c'est que nous fassions luire notre lumière éclatante chaque jour. Souvenez-vous que Jésus est le vrai cep. Votre progression spirituelle et votre bonheur ont une grande valeur à ses yeux. En résumé, alors qu'une nouvelle année commence, permettez-moi de vous inviter à recevoir la plénitude des bénédictions liées à ces trois invitations. Soyez calme et sachez qu'il est Dieu. Laissez sa bonté et ses créations stimuler votre imagination, apporter le calme et l'assurance à votre cœur et témoigner qu'il attend, prêt à approfondir votre relation personnelle avec lui. Deuxièmement, changez l'avenir dès maintenant. Entretenez des relations multigénérationnelles qui seront une bénédiction pour vous et votre entourage pendant des années. Et troisièmement, faites confiance au Seigneur de la moisson pour vous aider à devenir une meilleure personne. En travaillant avec lui, dans sa vigne et à ses côtés, le Seigneur de la moisson fera croître
abondamment. Ses bénédictions sont celles d'une joie parfaite. Trois actions supplémentaires vous aideront à fortifier votre foi et à être vaillant dans votre témoignage de Jésus-Christ. Détenir dignement une recommandation pour entrer dans le temple en cours de validité. Faites-le même si le temple n'est pas entièrement ouvert. Faites-le même si vous avez peut-être des choses à mettre en ordre dans votre vie. Et puis, faites savoir à votre évêque ou président de branche qui vous êtes et où vous en êtes. Si vous ne remplissez actuellement aucun appel dans l'Église, dites à votre évêque ou président de branche, « Lorsque le Seigneur aura un appel à me confier, je serai ravi de pouvoir servir dans l'Église. » Nous avons tous besoin d'ailes et de racines, d'un grand cercle d'amis où nous pouvons faire des rencontres et d'un cercle plus petit où nous pouvons servir régulièrement avec les autres et avec les dirigeants, notamment avec un évêque qui détient les clés. Et puis, pour finir, en frappant, en demandant et en cherchant, créez un environnement personnel qui cultive votre foi et vous aide à respecter les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu sont donnés par amour dans le but de protéger et de bénir. Vivez de manière à être digne de la compagnie du Saint-Esprit qui vous aidera à trouver ce dont vous avez le plus besoin. Ne laissez pas le monde faire semblant de vous donner ce qu'il ne peut offrir. Chers frères et sœurs, Dieu est notre Père éternel. Son Fils bien-aimé est notre Sauveur, Jésus-Christ. Les ordonnances, les alliances et la doctrine essentielle se trouvent dans son Église rétablie qui porte son nom, le rétablissement de donc l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ a commencé avec Joseph Smith, le prophète, et se poursuit aujourd'hui avec le président Nelson. Le livre de Mormon et les Saintes Écritures témoignent, tout comme moi aujourd'hui, que Jésus est le Christ. Chers amis, que votre lumière luise. Restez fidèles à vos alliances et vaillants dans votre témoignage de Jésus-Christ. Que Dieu vous enveloppe dans sa compassion et vous bénisse dans vos espoirs et vos désirs justes. Puissiez-vous trouver un sentiment d'appartenance grâce aux alliances et à la joie grâce à son Évangile, ainsi qu'un lieu et une place dans son Église, c'est-à-dire dans notre Église. Au nom sacré de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. In the fire.
Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour l'occasion que nous avons eue de sentir ton amour et de pouvoir écouter les paroles de sœur et frère Gong. Père, nous prions pour la force afin que nous allons de l'avant, afin que nous puissions apprendre à te connaître mieux et que nous puissions changer les générations futures par nos actions et nos paroles. Et que nous puissions être tes mains et que tu puisses nous rendre meilleurs chaque jour. Père, nous sommes reconnaissants pour un prophète aimant et nous prions pour lui, le président Russell M. Nelson, qu'il puisse être en forme pour diriger ton Église. Et nous prions également pour la force qui vient du sacrifice expiatoire de ton Fils chaque jour, que nous puissions être soutenus et que nous puissions être meilleurs. Père, nous demandons ces choses chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen.